Je suis aujourd'hui dans le déni total. Toby n'est pas morte. C'est faux. Ce n'est pas arrivé. Jamais. Jamais dans la vie, jamais. C'est quoi ce truc? Super. On nous présente le jeu avec la mort du... Génial. Les bonnes ambiances. Hein. Début du vrai jeu ici. Ouais, super. Incroyable. Je ne suis pas salé. 2 semaines plus tard. Signal for your high unit 2B offline. Death confirmed. Ah. Data exchange engaged. Super. Your high unit 9S has completed repair and reconstruction of all damaged areas. Ah, parce qu'il a pris cher, lui. Unit is ready for reactivation. Oh non, on va pas jouer dans Inès. Your high unit A2 also ready for reactivation. Proposal. Illuminate surrounding area. Analysis. Units 9S and A2 are safe. No problems detected. Only one issue remains. We comprise the Yorha support system. If the A2 and 9S units are operational, we are required to attend and support. Agreed. Displaying positions of units A2 and 9S. J'ai les coordonnées actuelles. Choix de l'unité à soutenir. C'est-à-dire, je choisis qui je veux jouer. Je tiens l'unité à 2. Ils m'ont demandé qui je voulais jouer là. J'espère. Je joue Twei. So then, what happened to command? Number 2, go! Du coup, elle s'est coupé les cheveux pour ressembler à Toubi, putain! Ne jouez pas avec mes émotions comme ça, bordel! Good morning, A2. Je crois qu'elle commençait à s'ouvrir aux autres. Mais d'accord, donc c'était ça, c'était le choix de jouer. Tactical support unit pod 042. This pod has been tasked with providing firing support for your Ce petit boule, pardon, bad switch. I didn't ask for help. Affirmative. No request was received from unit A2. Rather, it was the final order from this pod's previous support assignment, unit 2B. Well, it's unnecessary. Your high unit A2 lacks the authority to override this order. Whatever. Whatever. C'est Cloud, hein? What the hell is that huge thing? Unknown. You're pretty useless, you know that? Alors attends. Provoquer. Ah, elle provoque. What you've got. Proposal. Unit A2 should state her intentions. Why the hell would I do that? Du coup, elle a récupéré l'équipement de... In order to provide optimal support, pods must be supplied with data relating to the activities of supported units. Not happening. Ok. Oula oula, putain, mais voilà, la PS4, elle crash tellement. Pour te dire à quel point le jeu est bien optimisé, elle crash ses poumons sur Resident Evil, Doom et Nier Automata. Par contre, sur FF7, elle crash que dalle. FF7 est optimisé aux petits oignons, quoi. Donc, du coup, j'ai tout récupéré de Toubi, bordel. Toubi! Mais non, mais arrêtez de me dire ça. Remarque, elle a un petit boule visible. Ouais, c'est... il ne déplaît pas. Est-ce que c'est grâce à ma compétence qu'elle disparaît quand elle dash, ou c'est elle tout court, ça? Bon, j'aimerais bien te trouver une tenue un peu plus stylée, quand même. Et ça, normalement, tu débloques en plus des tenues... Mais je suis pas sûr d'y avoir accès, là. Bon, tout ça... Unit A2 should state her intentions.
What did I just say? If an attending support unit is not provided with data related to the activity of its target, it is programmed to automatically repeat the request every 30 seconds until such data is made available. Are you kidding me? Proposal. Unit A2 should state her intentions. Needlessly repeating conversations on the same topic is a waste of energy resources. You're the one who keeps talking. Ça va être bien. On peut voir le corps de Toby ou pas? Ah, c'est tellement con, ça. Le souci du détail, les gars, le corps de Toby, bordel. Mon Kokoro, j'ai mal à mon Kokoro. Ah, est-ce que maintenant on peut grimper là-haut grâce à ça? On peut, bordel! On peut pas, on peut pas. On peut pas, il dit qu'on peut pas. Stop. Ne meurs pas. Ne meurs pas. 30 seconds have passed. Proposal. Unit A2 should state her intentions. Stop! My intention is to beat the hell out of every goddamn machine I can find. Is that enough for you? Affirmative. Scanning and marking of nearby machine life forms complete. Goliath class enemies detected in desert area. Proposal. Goliath class enemies should be destroyed. Don't tell me what to do. Pods are not authorized to issue commands. Proposals are merely recommendations based on data provided by Unit A2. Proposal. Unit A2 should state updated intentions in order to secure more usable data. Shut the hell up. Negative. This pod is engaging in activity based on the final order of Unit 2B. Your HUD Unit A2 lacks the authority to issue commands. Look, just stay out of my way. Affirmative. Et en partie, je joue cette architecture qui est cachée sous terre. Ouais, ouais. Intriguant. La citadelle d'Half-Life. Bon, on va casser les culs, alors. Comme avec Toby, sauf que maintenant, on n'a plus Toby. Nique ta mère. Ah, c'est loin. Mais c'est de l'autre côté, en plus. C'est loin. Il est où, déjà, le truc? Le désert. Ouais. Toby, quoi. Je suis tellement salé. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce qu'elle meure à la fin du jeu. Je m'attendais à ce qu'ils meurent tous les trois à la fin du jeu. Ou un truc du style, au moins 2 sur 3. Mais pas maintenant. Genre en fait, pendant 2 runs, ils te font croire que c'est le perso principal. Enfin, l'un des deux persos principaux. Putain, cette musique du désert, elle a changé la musique du désert, non? Elle est grave plus épique, celle-là. Déjà que la première était bien. Je crois que c'est juste une orchestration. Arrête de slider. T'as pas les tenues alternatives? Comment on débloque des tenues? Ah, on a les données du jeu. Combien de morts? 31. Tu peux récupérer 31. Non, c'est peut-être pas forcément nos morts. Nombre de morts, 35. Moi, je veux mes tenues DLC. Oui, par contre. On a tout récupéré de Toby. C'est super. C'est littéralement, ils nous ont fait une Cloud Zack. En plus, j'ai l'épée appropriée. C'est littéralement ça. J'ai quoi en programme? Je voulais changer le laser. Ouais, la lame, tu changes parce que le marteau. Ça fait beaucoup, hein. Bon, t'es censé être une unité d'élite. Oh non, il y en a un qui a des salves électriques. Le laser est peut-être une meilleure idée, hein. Putain, tu vas la battre le marteau, pourquoi elle l'a pas fait?
Attention, j'ai bouffé. Salvant Tielek. Merde. Putain, j'ai du mal avec les raccourcis, hein. Ça va qu'il tombe pas des masses. Pourquoi elle l'a pas fait le coup de marteau? Parce que j'étais en mouvement. Ah, shoot. Mais alors attends, parce que t'as pas des armes à toi, toi? Non. Bah du coup, non. Pourquoi elle était en rouge, la lance? Elle veut pas s'équiper de lance. Donc elle a perdu ses armes de base. Allez, au deuxième. Bravo. Non, mais alors, par contre, tu vas attaquer. Ah, j'ai bouffé. Il confirme qu'il a bouffé. Mais non, mais... Ah, il prend pas de dégâts. Très bien. Il a pas bouffé. Bon, passe au laser, c'est mieux. Attention. La salve, la salve. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Oula, c'est quoi là? Il va s'énerver, il s'énerve. Là, il veut pas prendre là. Ah, ça je savais pas que t'allais le faire. Ah, mais deux coups il met. Ah d'accord, donc il met le coup plus l'onde de choc. C'est bien ça. So much for Goliath class. That was over before it started. Negative. Enemy machines remain in the area. Attends, j'ai pas eu le temps de looter, putain. Oh non, pas les verres. What the hell is that? Oh non, j'ai déjà pas appris à combattre les verres là, c'est pas pour m'en taper encore plus violent. Egel. C'est super. Oui, alors je veux bien essayer. Ouais, j'avoue. Oula, d'accord. Ah ouais, oui. Ça bouge! D'accord, il y en a partout. C'est la production de à l'aide! En plus, je l'ai raté. Mais t'es pas un modèle ultime, toi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à poil. Attends, par contre, je prends super cher. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Oh non. Don't patronize me. Voilà, venez là. Quoi, le pot de scie? Oh là là, à l'aide.
comprends rien à ce qui se passe. D'accord, je suis avisé le vide, c'est bien, pas de panique, pas de panique. En train de me parler d'un troisième pod là, ou c'est quoi ton délire? Bah non, c'est la même merde. Non mais le laser, c'est ce qu'il y a de plus efficace là, hein. Je crois. Lui, il a bourre. Par contre... Mais tire ton laser! À l'aide, ce combat de boss! On va essayer d'en cibler une, hein. Et merde, je bouffe quand même. C'est toujours loqué sur la même, hein. J'ai pas l'impression. Mais à quoi il sert le mode infernal? Je comprends pas. Hein? Ah ouais. À l'aide! On n'a pas un autre qui a moins de vie. Non mais t'es mort. Lui là. Merde. Non mais... Autolock, pourquoi l'autolock s'enlève tout seul parfois? Ouais bon bah voilà. Ah lui! Mort! Oh là là, à l'aide, je comprends rien. Oui, c'est bien. Ah, ça va, bon courage. À plus. À l'aide! Là, à côté. À l'aide. Ah mais il y en a qui restent au sol.
faites quoi? Vous êtes Ah, elles sont bien, elles. Ok, reste que le corps. Yes. Ouh. Oh merde. Escape recommended. Oui. Et il va falloir Nenes. Ah non. The EMP attack appears to have caused hacking damage to Unit A2's memory modules. So this is my memory area. But why are you here? Support units are required to monitor our target's internal systems in case of breakdown. Next time, ask me before you go poking around in my head. On s'est connecté à la machine. Ah, j'avoue que ça marche mieux. Ça marche mieux avec les conseils de Jojo. Utilise le stick droit pour contrôler le... Hein? Ah, sur Two-Way. Non. Intéressant. Oh non, pas de combat, je suis déjà... Je sens que ça va être une run intéressante. Pod 153, commencing data sharing. Affirmative. Launching compressed conversation mode. Oula. Qu'est-ce qu'il fait?
Secours! Compressed conversation mode complete. Ah. Affirmative. Ils ont changé des données. Report on the effects of Unit 2B's memory data on Unit A2's ah, d'accord. Consciousness. Understood. Updating as reference data for support activity. Hmm. Ok, then. Sélection de l'unité à surveiller. Je peux continuer avec Tway. Est-ce que je continue avec Tway ou... Région mémorielle de A2. Combiné aux données de 2B. Surveillance en cours de vue. J'analyse des effets. Alt pod 042. Problème de fonctionnalité, discussion détectée. Nombreuses formes de vie mécanique privée, de fonctions réseau hors de contrôle, prudence recommandée, affirmative. Ok. Je vois, je vois. Je crève de chaud. Good morning, A2. T'as passé une bonne nuit dans le désert? Your high unit A2 was restarted 5 minutes and 42 seconds ago. The cause was excessive strain due to battle against a large machine life form. All this goddamn sand is starting to piss me off. Alert. Fuel filter performance deteriorating. Fine particulate matter seems to have entered the filter while fighting in the desert. Proposal. Replace the faulty part immediately. You make it sound so easy. Records indicate said part was once used at the resistance camp. The oh. Resistance camp. On voit au camp de résistance de la résistance. Oh putain, des quêtes secondaires. Non. Les dashs qu'elle se tape. Un objet là-haut. Oui. Oh. Stylé. Ah et maintenant on a l'arche au-dessus. Putain, cette structure de la mort. Et la caméra qui part en couille. C'est trop bien. Et là, ce petit bout là et tout, pardon. Non, un sauvegarde rapide, c'était pas vraiment nécessaire. Crève de chaud. Donc on verra toujours 2B au travers de ses mémoires, quand elle parle à 2A dans sa tête. Probablement. Quoi, depuis quand elle est dorée, mon épée? C'est juste les reflets. Depuis quand elle est dorée, cette épée? Depuis quand elle est jaune? Est-ce qu'avec les colorants, on peut changer la couleur des... Hein? D'accord. Quantité maximum. Ah, ce visage, c'est merveilleux. Dans cette pièce, je le vois enfin, le monde. Maintenant que je suis devenu l'être le plus savant de l'univers, vas-y, demande-moi tout ce que tu veux. Toi, toujours pareil. J'ai l'impression qu'on se connaît, non? Oh, mini. Pardon, on se connaît? Mini. J'allais en dehors du camp. Help! Help me! Are those machines fighting each other? Bah t'es con. Oh, il est pas mort. Pascalu.
too. Wait, please. I have no intention of harming you. My name is Pascal, and while it's true that I am a machine life form, I also detest fighting of any kind. Uh-huh. And machines don't have souls. They're just murder bots with a fancy name. They killed so many of us. And I swore to make them pay. I see. If that will save your soul, then so be it. On peut décider de le détruire. Mais vous avez pété. Il y a tellement de choix dans ce jeu. La rejouabilité doit être tellement... Paul. Aren't going to kill me? Just shut up and leave before I change my mind. You... No. Never mind. Je te rappelle quelqu'un, c'est ça, hein, putain. Il a disparu. Et maintenant, on peut aller dans le camp. Putain, c'est Dash qu'elle se tape avec l'onde sonore, là. Je sais pas si ça vient de mes programmes de pod ou pas. Maintenant, on peut parler à Anemone. Numéro 2, tu as survécu. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, Anemone. J'ai toujours envie, c'est ce qui compte. La pote qui casse les couilles, mieux. Même si j'ai bien peur que tous les tes autres compagnons y soient passés. J'ai dû tuer numéro 21 de mes propres mains. 3 points de suspension. Je suis désolé. Non, c'est... Ah, j'allais oublier. Tu sais qu'on a vu passer une autre unité Yura qui te ressemble trait pour trait. Elle s'appelle Toubi et... Elle est morte. C'est trop bien. Quoi? Toubi est morte. Je l'ai tuée. Elle avait été contaminée par un virus logique. Oh. Bonne ambiance. Bon, eh bien, tu es ici chez toi. Je vais demander à quelqu'un de te faire le tour du... Inutile. Cette épée renferme ses souvenirs. Je vois. Tu peux utiliser son ancienne chambre, alors. C'est moi qui dirige ce camp. Je ne manquerai pas d'informer les autres de ta présence. Hé, Anemone, j'ai une question à te poser. Tu n'aurais pas un filtre à carburant ou trop par hasard? Un filtre à carburant, j'ai peur qu'on soit à court récemment. On soit tombé à court récemment. Pascal qui nous les fabrique, donc tu pourras aller en récupérer un toi-même si tu veux. Pascal, tu le connais? Pactise avec l'ennemi? Hérésie! Son village est différent, ces machines-là ne nous ont jamais causé le moindre tort. Ouais, ben, c'est hors de question. C'est difficile à accepter, mais on a conclu une alliance. On s'échange du matériel en fonction des besoins. Vu nos objectifs, ce n'est pas comme si on avait l'embarras du choix. Et puis, on n'en est quand même pas au point d'achever les formes de vie mécanique après leur édition. Prends-tu de suspension? T'as changé le numéro 2, ta manière de t'exprimer, ton comportement ne sont plus les mêmes. Et toi, tu es devenu une vraie chef. Qui pallie en comparaison de Rose. Oh là là, le lore. Ça ramène en arrière. Ça parle de Nier, le premier Nier, ou pas? À ce sujet, Eh bien, j'ai conservé les données sur ce disque dur externe. J'ai pensé qu'il fallait préserver les souvenirs de cette époque, de nos combats côte à côte. Et je crois que tu as le droit de les voir. Comprends-tu cette portion? Toi et moi, on ne doit jamais oublier. Je sais. On peut voir le passé de Two Way comme ça? Mais depuis quand ma Buster Sword elle est jaune? Elle était déjà comme ça avant? Remarque, vu que c'était tout gris, on la voyait pas bien. Est-ce qu'on peut changer les couleurs des armes? Choisir un fichier. Pearl Harbor. Hein? Fais voir. Me dis pas qu'il faut jouer, hein. Je m'appelle Anemone et je dirige les androïdes de la Résistance. Ceci est un enregistrement de mes batailles, un rappel de tout ce que j'ai perdu. J'espère ainsi m'adresser un avertissement salutaire. Les formes de vie mécaniques s'en prennent à des territoires bien trop proches à mon goût. Putain, la musique s'énerve d'un coup. Une odeur âcre flotte dans l'air. Même certains de mes propres cheveux sentent le roussi. Oh putain, où cette musique? Anemone, on va en retrait, c'est un ordre. Rose, ma capitaine. Je lui obéis sans hésitation et j'abandonne le front dès que j'en ai terminé avec quelques ennemis à proximité. Je me mets à courir à grandes enjambées et je saute dans la tranchée creusée à la hâte où se sont déjà réfugiés mes camarades. Comment une bataille ai-je déjà livrée? Toujours les mêmes visions, les mêmes sons. Cette vaine guerre d'usure. Les forces de la Résistance jouent cette même partition encore et encore sans jamais en voir la fin. Je ne me souviens même pas pourquoi nous nous battons, simplement que je dois poursuivre la lutte. Poursuivre jusqu'à l'éradication de l'un des belligérants, hein? Ça pue, chion. Qu'est-ce qu'on fait? Ça pue, chion. LOL. Du calme, Lily. On trouvera bien une ouverture. Lily, un des prénoms les plus stylés du monde.
Les ouvertures, ça ne s'ouvre pas, ça se provoque. Dahlia, attends. J'attrape Dahlia par le bras avant qu'elle ne surgisse de la tranchée. Vite, je charge Rose du regard. Elle nous a amenés jusqu'ici, après tout. Elle doit bien avoir un plan. Mais alors que la horde ennemie se rapproche, je la découvre en train de scruter le champ de bataille. Les moments de la nuit ont changé à Sentel finalement. Le combat vient d'éclater là-bas. C'est impossible, on est tous ici, redouille Margaret. Elle a raison. On n'est plus que neuf à pouvoir affronter les machines. Rose, la capitaine, Gerbera, Lily, Sonia, Erika, Margaret, Chion, Dahlia. Et moi, Anemone. Ouais. Ensemble, on est tout ce qui reste des troupes de la 8ème descente. Celle qui a eu lieu il y a près de 200 ans. Mal à l'aise, Sonia tire Chion à elle. Elle mâchouille une mèche de cheveux. J'aime pas ça. Et si c'était un piège des machines? Je patiente un instant, le cœur battant à tout rompre. Bientôt, le feu ennemi baisse en intensité. Ok, c'est le moment, on dirait. On se replie. Il y a des gens qui se battent là-bas, Anemone, me rétorque Dahlia. Qui que ce soit, on va pas les abandonner à leur triste sort. Ah, parce que tu veux risquer ta vie pour de parfaits étrangers. Reprends-toi. On ne sait même pas s'ils sont de notre côté. Tu déformes mes propos. Ça suffit, vous deux. C'est la capitaine qui tranche à bois, Chion. Sur ces paroles, on se retourne toutes vers Rose. Elle nous regarde droit dans les yeux et finit par acquiescer doucement avant de donner ses ordres. Gerbera. Putain, ce nom. L'ennemi fait route vers les explosifs qu'on a posés un peu plus tôt, pas vrai? Gerbera prend le temps de réfléchir. Maintenant que tu me dis, ouais, je confirme. Rose a beau être parfaitement maîtresse d'elle-même, un léger sourire attire ses lèvres. Parfait, si tout se déroule comme prévu, on va tous les balayer d'un coup. Vous allez tous surgir de la tranchée et courir vers ces explosifs. On laisse l'explosion souffler le plus gros d'entre eux et on élimine ceux qui restent. L'identification des mystérieux combattants attendra qu'on en ait terminé. Personne n'émet d'objection. Au moment où Rose nous l'ordonne, on bondit tout hors du trône de la tranchée et on replonge dans la mêlée. En arrivant sur les lieux du combat, on découvre ce qui ressemble à un autre groupe d'androïdes, affublés d'étranges tenues noires. En tout cas, avant même qu'elles aient le temps de comprendre ce qui se passe, on fait sauter les explosifs, on élimine les dernières machines et on les met à jour. C'est des Yora. De toute façon, on a un autre groupe d'androïdes affublés d'étranges tenues noires. Ok, expliquez-vous, leur demandai-je. Toudou, répond l'une des mystérieuses androïdes. On est de votre côté, on fait partie des nouveaux modèles déployés dans le cadre de ce qu'on appelle le projet Yora. Ah ouais? Pensez-vous nous informer de l'arrivée de modèles flambant neufs? Ma voix est sans doute plus dure qu'elle ne devrait, mais je veux avoir à l'absolue certitude qu'elles sont bel et bien ce qu'elles prétendent. Ce n'est pas que je sois convaincu qu'elles nous mentent, mais leurs lunettes démesurées m'empêchent de déchiffrer leurs expressions. Et puis, après tant d'années de guerre, on apprend à être sacrément prudente. Les androïdes nous révèlent sa plaie numéro 2, 4, 16 et 21. Par contre, elles ne sont pas pressées de s'épancher davantage. Notre mission est confidentielle. C'est pour ça que vous n'avez pas encore entendu parler de nous. Avance l'une d'entre elles. Je dégaine ma lame avec une lenteur calculée. Histoire de jauger leur réaction. Donc, en d'autres termes, personne n'en saura rien si je vous écorche sur le champ. Emballe ton canif, Anemone. Tranche Rose d'une voix douce. Non, objecte Lily. Elle a raison. On a tout vu à quel point l'ennemi évolue rapidement. Qui nous dit que ces quatre-là ne sont pas des machines ayant pris une apparence humaine? Mes camarades acquiescent la mine grave. C'est fou comme cette foutue guerre peut vous rendre parano. Mais elle, c'est pas des humaines, c'est quoi? L'absolu du camp de résistance, c'est des androïdes aussi. L'une des étrangères, numéro 16, me semble-t-il, dégaine une longue arme à son tour. Si c'est la bagarre que vous cherchez, la bagarre, ça peut facilement s'arranger. Avant que je puisse répondre, Dahlia bondit, l'arme au clair. Cette fois, le déferlement de violence est inévitable. Mais juste avant que le premier coup ne soit porté, celle qui répond numéro 2 s'interpose. Attendez. Au début, on était 16, les autres ont péri dans la descente. Ici, on est isolés et sans renfort. Personne ne viendra nous récupérer. Ça veut dire qu'il n'y a plus que nous pour mener la mission à bien. On n'a vraiment pas besoin d'amis supplémentaires. Non, on a plutôt besoin d'alliés. Sa voix tremble très légèrement alors qu'elle termine, à croire qu'elle a du mal à contenir ses émotions. Ce timbre, je sais ce qu'il dissimule. Ce timbre trahit l'espoir. L'un espoir ténu mais farouche, envers et contre tout. Waouh, intéressant, le lore. J'espère que vous aimez le lore. Liste d'objets retenus, obtenu, archives récupérées, résistance rose, résistance anémone. On peut encore en faire. Est-ce qu'on se fait un full épisode lore de la débilité la plus profonde? Je boive de l'eau, hein, parce que, ouf.
D'après l'équipe Yora, un serveur ennemi se cache dans les entrailles du mont Kaala. En le détruisant, on a une chance d'enfin marquer des points dans cette guerre qui n'en finit pas. Mais pour ça, il va falloir collaborer. À la collaboration. Après avoir pris le temps de réfléchir, Rose décide de s'allier aux nouveaux androïdes. Cette relation évolue au fil du temps. À quoi tu joues, Dahlia? Je prouve l'étendue de sa faiblesse. Cet imbécile, finit-elle par répondre à bout de souffle. Ah, tu es clairement dépassé. Rang numéro 16 qui lui fait face. Les deux se frappent tour à tour. Ça semble plutôt amical, du moins autant qu'une séance de marron puisse l'être. En plus, ça fait déjà si longtemps qu'elles se castagnent qu'elles sont à bout de force. Elles sont probablement même plus capables de percer une feuille de papier à ce stade. Le reste du groupe regarde et s'efforce de ne pas éclater de rire. Dahlia et numéro 16 ont chic pour en venir aux mains pour tout et n'importe quoi. Sans doute parce qu'elles se ressemblent tant. C'est presque vexant de voir la vitesse à laquelle ces fortes têtes en sont venues à s'apprécier. On discute pendant que Dahlia et numéro 16 continuent à s'en mettre plein la tête. Entre nous, on utilise les noms que je nous ai donnés, explique Rose. Hein? Je vois, je trouvais étrange que vous soyez dépourvu de matricule, répond numéro 4. Ah d'accord. Elle acquiesce ça. Elle acquiesce, on dirait qu'elle trouve tout cela d'une logique implacable. Un sourire illumine soudain le visage de Rose. Et vous savez quoi? Je crois qu'on va vous donner des noms à vous aussi. Ah non, ce serait du gâchis, réplique numéro 2. Rose, je te regarde circonspect. Comment ça du gâchis? Tu me donneras un nom une fois la mission terminée, répond-elle. Alors que le rose lui monte aux joues. Je réalise qu'elle exprime là, en même temps, un vœu. Très bien, je t'aurai trouvé un nom d'ici là, répond Rose, et elle est morte pendant la mission. Une promesse fugace aussi éphémère que la plupart des choses en ce bas monde. Mais peu importe, nous devenons plus proches que de l'équipe Yora en instant. Ou plus exactement, mes amis se rapprochent d'elle. Je deviens imprudente, dis-je, d'une voix plus forte que voulu. Heureusement, personne ne m'entend, ou alors on préfère m'ignorer. Ne vous méprenez pas, je ne compte pas remettre en cause le jugement de la capitaine. Non, mais pour autant, je ne suis pas prête à accorder une confiance aveugle à nos nouvelles amies. Notre existence est solitaire, cela fait belle lurette que la lune nous a abandonnés, lol. Mes camarades ont beau avoir tempêté, pleuré, lutté, personne n'a répondu à leur supplique. C'est parce qu'il n'y en a pas, lol. Ils sont tous morts les humains, lol. Alors comment faire confiance à une équipe entière de nouveaux modèles que l'on vient à peine de croiser? Ce qui ne va pas, Anemone. C'est Lily. Elle n'aime sans doute pas que je me tienne à l'écart du groupe. Rien, tout va. Lily ne me laisse pas le temps de finir. Elle ouvre soudain la bouche et pousse un hurlement d'agonie. Les échos de son cri n'en finissent plus de résonner à travers le camp. C'est à fondre un cœur de pierre. C'est la mort qui s'annonce. C'est... horrible. Elle est contaminée. Lily a chopé un virus. Rugit Rose. Tout le monde dégaine, si ce n'est par pur instinct. Et toutes les armes se pointent vers notre camarade qui ne cesse de hurler à la mort. Tout le monde a compris, cette scène s'est déjà jouée sous nos yeux. Un virus logique, une arme des machines conçue pour pirater le système dans l'androïde et écraser ses données. Il n'existe pas de remède connu, alors. C'est aussi une condamnation à mort. Je lui dois faire preuve de miséricorde. Je dois la libérer. Mon doigt frémit déjà sur la gâchette, pourtant j'hésite encore. Et avant de pouvoir prendre cette ultime et fatidique décision, une voix s'élève dans mon dos. Un instant, non! Tu ne peux pas laisser ton ami crever comme ça! C'est numéro 21. Cette guerre qui me semblait d'un sang-froid à toute épreuve est en train de me supplier d'épargner la vie de Lily. Que faire? Putain, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Lily te considère comme faisant partie de sa famille. On n'abandonne pas un membre de sa famille. Pas sans avoir tout tenté. Qu'est-ce que tu proposes alors? J'ai utilisé mes capacités pour effacer le virus. Mais c'est impossible! Impossible, lui! Rose a craché tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Que l'on pense toutes tout bas. Lily se moque de nos tergiversations. Elle commence à nous envoyer valser dans les airs avec une force incroyable. J'ai déjà vu des androïdes contaminés. Je sais parfaitement les dégâts dont ils sont capables une fois que le virus désactive leurs inhibiteurs. Ils frappent, griffent et mordent jusqu'à leur complète annihilation. Dahlia et numéro 16 se précipitent bien décidés à maîtriser leur ancien ennemi. Elles s'en débarrassent comme d'une paire de mouches. Combien de mes sœurs d'armes ont été contaminées? De combien d'amis ai-je dû abréger les souffrances? Le cœur dont je suis censé être dépourvu se sert à cette pensée atroce. Il se convulse alors que toutes ces anciennes matricules défilent dans mon esprit. Et vous avez des cœurs? Qu'est-ce que l'être humain? La transcendance. Quand est-ce que j'ai commencé à les baptiser? Quand est-ce que j'ai décidé que je n'avais plus la force de supporter tout ça? Lancement de la séquence de reprogrammation. Cette voix, numéro 21, elle a crié quelque chose au sujet d'une reprogrammation. L'indécision me paralyse. Je suis complètement paumé. Je finis par reprendre peu à peu mes esprits. Numéro 21 piète sur son terminal pendant que numéro 2 et 4 maintiennent Lily fermement. Elles se convulsent entre leurs bras. Rose me jette un regard de surprise. Oh non. Je me découvre en train de tenir Lily moi aussi.
Aïe aïe aïe. Ça déraille, eux c'est rien que des canailles. Alors c'est très cool, mais c'est un peu long. 14e guerre contre les machines, descente de Pearl Harbor. Le nom de la mission confiée aux unités Yora. A-t-on jamais vu un tel déluge de feu, des bombardements aussi nourris continuant sans trêve ni répit? Notre cible, c'est le serveur des machines dans les entrailles du Mont Kaala, et notre situation est critique. On a besoin de renforts, demandons déploiement immédiat. Numéro 2 parle vite, pourtant sa voix reste calme. C'est d'autant plus remarquable que la horde d'ennemis se rapproche. Le centre de commandement, en orbite, nous informe toutefois qu'aucun renfort n'est en route. Il nous abandonne. On est livré à nous-mêmes. C'est le genre de décision qui est si facile à prendre de là-haut, du satellite, de la lune. Je ferai ce qui est nécessaire, affirme Lily, un rictus sinistre aux lèvres. Elle est pas morte, Lily? Dahlia et Margaret acquiescent bientôt suivies par le numéro 16. Elles vont se joindre à l'arrière-garde. Elles seront notre bouclier au prix de leur vie. Aucune n'hésite, leur détermination est farouche. Et de toute façon, nous autres de l'avant-garde, on ne leur survivra pas bien longtemps. Sans un mot de plus, les deux groupes se détournent et gagnent leur position. On sait toutes qu'on est au bout de notre route. Grâce à Dahlia et à ses camarades, on atteint la porte de la base sur le Mont Kaala. Elle donne sur un ascenseur qui lui-même mène au serveur. Si on arrive à le détruire, on portera un coup dévastateur à toutes les formes de vie mécanique du Pacifique. Toutefois, un mauvais pressentiment m'envahit lorsque je remarque la grimace de numéro 21 figée devant l'ascenseur. Entrez, j'en fais mon affaire, me dit-elle. On s'entasse dans la cage tandis qu'elle pirate le terminal. Elle n'a pas besoin de nous en dire davantage. L'ascenseur ne descendra jamais jusqu'au serveur si quelqu'un ne reste pas en arrière pour le contrôler. Ennemi en approche, ils sont presque là. Alors même que les mots m'échappent, je me retrouve à bondir. Je prends une position aux côtés de numéro 21. Mon corps a quasiment agi de son propre chef. Il y a un problème, quelque chose. Je crie à mes yeux, je couvre numéro 21, vous autres, vous vous occupez de ce vichu serveur. La porte se referme sur mes amis. J'ai à peine le temps de voir Rose, ma capitaine. Elle a l'air inquiète. Puis la porte de métal se referme et elle disparaît. Je viens de voir mes sœurs d'armes pour la dernière fois. Aïe, shit. Mais c'est pas grave. On va en finir avec cette mission d'une façon ou d'une autre. Seul déchire le silence des explosions lointaines et la respiration rauque de numéro 21. Merci d'être resté avec moi, murmure-t-elle. Je la dévisage. Au fond de ses pupilles brille l'étincelle rouge des révélatrices de la contamination par un virus logique. J'avais raison, tout contre. Je pousse un léger soupir et resserre l'emprise sur mon arme. J'ai vu des camarades se faire contaminer. C'est pour cela qu'il m'était impensable de la laisser agoniser ici toute seule. Le vaccin qu'elle a donné à Lily est inutile, l'ennemi s'est déjà adapté. Ah, il a étudié les capacités de numéro 21 et mis à jour ses virus. Mon ami est condamné. Quant à l'ascenseur, quand l'ascenseur arrivera au niveau du serveur, sa voix s'affaiblit d'instant en instant. Alors je t'offrirai la paix. La mienne ne flanche pas. L'ascenseur s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, et ce périple, c'est le compte à rebours qui marque les derniers instants de numéro 21. Combien de temps déjà? Combien de secondes encore? L'attente est interminable, et pourtant, le temps file trop vite pour avoir des regrets. Une gigantesque explosion surgit dans le lointain. Les murs tremblent sous l'impact. Le chant du signe de Lily et de l'arrière-garde au complet. Elles viennent de surcharger leur propre réacteur à fusion. Le coup de tonnerre témoignant du sacrifice de nos camarades s'essouffle peu à peu. Pardon, numéro 21 retire ses lunettes. Ces gestes sont là. Je suis heureuse de t'avoir rencontré, me dit-elle. Ses yeux sont si rouges. Pas encore complètement, cela dit. Une petite partie de sa conscience lutte encore. Et tant que c'est le cas, ne t'inquiète pas, je te rejoindrai bientôt, lui réponds-je. Elle sourit en m'entendant. Dès que l'ascenseur s'arrête, je brûle la cervelle de numéro 21 d'une balle à bout portant. La carcasse qui était autrefois mon amie s'effondre au sol. J'ai les yeux rivés sur mon arme, mes mains tremblent. J'appuie sur le canon, contre ma tempe. Un bon moyen d'en terminer. Avec la guerre. Avec mon existence futile. Avec toute cette merde. Putain, Yoko Taro, c'est un nihiliste comme moi, fais chier. J'essaie de combattre mon nihilisme, alors ne le ravive pas, s'il te plaît. En finir, enfin. Impardonnable. 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 Tes camarades se sont sacrifiés. Elles ont jeté pardon. Jusqu'à leur dernier souffle. Incroyable. Quel beau lapsus. Elles ont enduré souffrance, tristesse, douleur et terreur. Et toi, tu veux abandonner? Impardonnable.
Cette voix, c'est la malédiction du champ de bataille. C'est l'obligation imposée aux survivants d'accomplir leur mission, coûte que coûte. Cette voix entrecoupée de sanglots, c'est la mienne. Je hurle de toutes mes forces et je me précipite vers l'ennemi. Ah ça, tu vas voir! Quand on me cherche, on me trouve! Tu ne seras contente que si ça se termine dans un bain de sang, c'est ça? Je saute dans la mêlée, une arme dans chaque main. Eh bien me voilà, mais là c'est Tuei ou c'est Anemone? Me voilà! Tuez-moi! Alors que je hurle de toutes mes forces, une explosion balaie le champ de bataille et me projette dans les... Hein? Une brise légère effleure ma joue. Une odeur de brûlé flotte dans l'air. Un parfum de cendre. L'explosion qui a emporté le serveur a été suffisamment puissante pour éventrer le mont Kaala. Le fier sommet n'est plus qu'un cratère fumant. Les machines sont tombées au sol. Plus aucune ne fait mine de bouger. Mon regard erre sur la terre dévastée. Lily, numéro 16, Rose, numéro 2. Est-ce que l'une d'entre vous... Je suis la seule survivante. La seule. Et si je suis toujours en vie, c'est parce que j'ai eu peur de mourir. Je ne peux m'empêcher de glousser. On est dans le domaine de la folie, là. De la démence complète, même. Je te rejoindrai bientôt. Eh bien, oui. Tu lui as fait une promesse. Comment as-tu osé lui adresser des mots aussi creux, aussi ridicules? Des mensonges aussi grotesques? J'éclate de rire. Debout dans la fumée, les flammes, je ris jusqu'à ce que ma gorge elle-même finisse par rendre l'âme. Je cligne des yeux. Les traits du soleil percent les volutes de fumée ici et là. Putain, mais c'est classe. Je suis resté debout toute la nuit. Mon rire s'est finalement tari et je m'oblige à bouger. Je suis la lâche qui est restée en arrière, la lâche qui a survécu. C'est donc à moi de porter le flambeau, d'honorer les volontés de celles qui ont lutté à mes côtés. Puisque je suis incapable de mettre fin à mes jours, il me faudra poursuivre le combat, jusqu'à trouver l'ennemi qui me tuera. Je supporterai toutes les souffrances. Je tuerai toutes les machines qui croiseront ma route. Telle est ma croix. Je marche vers l'ouest doucement, un pas meurtri après l'autre, traînant ma carcasse ensanglantée. What? C'est la bonne ambiance. Numéro 16, numéro 21, numéro 4. Je suis désolé d'être toujours en vie. Mais je vous rejoindrai bientôt dès que j'en aurai terminé. Un petit point de suspension. Ah yes, c'était la fin. Donc c'était l'épisode lore. Donc c'était Tuei ou Anemone. Là, qui parle. Tu n'as rien oublié, c'est dangereux dehors, reste sur tes gardes. Un filtre à carburant, je vends des armes, moi. Pourquoi me venir me demander ça? C'est un examen de fonction. Mais connard! Des améliorations. Des soins. Il vous faut un filtre à carburant? Ah, c'est que je suis à court. Vous allez devoir demander à Anemone quand on aura le prochain arrivage. Bon, bref. Vous avez besoin d'un filtre à carburant? Pourquoi vous n'allez pas voir un magasin de fourniture? Alert. A broken filter will cause significant problems with fuel distribution. Proposal. Replace the faulty part immediately. Yeah, I know. Coordinates confirmed for a colony centered around a machine life form known as Pascal. Location marked on map. You don't know when to shut up, do you? Sauvegarde rapide. On essaie de terminer l'épisode sur un petit fight sympathique quand même. Et pas uniquement sur du lore, même si c'était un peu l'épisode du lore, là. Mais du lore intéressant. Pourquoi j'ai toujours un point? Oui, oui, non, mais oui, d'accord, je sais, mais... Reviens là où j'étais. Pourquoi il y a une quête? C'est qu'il y a une quête. Regarde la map, Mongolo. Oh, les waifus, elles sont là. Eh, quelque chose t'intéresse? Bah non. Oula, on a des nouveaux trucs. Les ennemis vaincus par piratage hurlent d'agonie. Système d'évitement. Le temps ralenti à l'approche de projectiles. Extérieur de puce. Viser les balles ennemies pour les faire exploser. Non, récupération. L'esquive n'interrompt pas les combos.
Dis, tu penses pas me donner un coup de main? On se retrouve avec une tache un peu délicate sur les bras. Dévola, s'il te plaît. Tu vois notre solution, toi? Depuis que cette tour gigantesque a surgi de nulle part, on est à court de fournitures et de volontaires. Si on s'arrête aux détails, on ne réparera jamais ces ombres de la résistance. C'est vrai, mais... Eh bien voilà. Donc ça ne te dérangerait pas de nous filer un coup de main? Comme sur la première run, on va faire une ou deux quêtes secondaires. Super, on apprécie le geste. Ok, donc on a simplement besoin de vis striées, de petits engrenages et d'huile de machine. Ça, sur les machines qui ont sur les autres, je pense qu'on peut trouver des petits engrenages sur les petites machines, celles qui ont des jambes rikiki. Il est possible de récupérer de l'huile de machine à proximité des voies abandonnées de l'usine désaffectée. Mais du coup, j'ai pas déjà tout ce qu'il faut. Je voulais pas vous décapiter, hein. Je vais aussi récupérer le matériel dont je t'avais parlé. Ah non, il faut vraiment y aller en mode... Connasse. Usine entrée. Oh putain, non. Oh non, pas l'usine. En ligne. Usine... Je veux bien aider les gens du camp parce qu'après, peut-être que ça débloque des trucs, des nouvelles armes et je pourrais avoir accès aux améliorations et tout. Et honnêtement, les quêtes secondaires, je vais en faire une ou deux et puis c'est tout. Déjà, excellent, on va voir combien de temps ça prend. On va y passer un épisode, tu vas voir. Voilà, mais l'éclairage entre le contre-jour et la lumière, c'est vraiment immonde, quoi. Faut que je fasse quelque chose, hein. Ah. Non mais vise-le. La demande de Dévola, 12 sur 5. Bon, on est bien. Toi, tu t'actives pas, toi. Ah bah voilà. Pas de dégâts, là. Ouf, j'avais complètement zappé ce dernier coup. That's everything those redhead twins wanted. Sérieux? Guess I'll hand it over. Bah voilà.
On va terminer l'épisode là-dessus. Une petite, on a bien vu du lore. On a fait une petite quête et puis voilà, c'est cool. Je vais commencer, il faudrait que j'installe Resident Evil vu que demain on stream du Resident Evil 6. Toubi. Hein? Cet objet. Elles sont. Yo. Oui, on voit. Oui, tout y est. Merci de nous avoir aidés. Maintenant, il est temps de se mettre au boulot des voilà. Alors, à quoi ça vous sert tout ça? Ce n'est pas évident, il s'agit de répondre aux besoins du quotidien. Au camp, on nous demande souvent de nous occuper des tâches variées, du bricolage, des menus travaux. Pourquoi vous demandez de gâcher vos talents avec des tâches aussi simples? Oh, ça ne nous ennuie pas, on est ravis de pouvoir donner un coup de main. Pour tout avouer, on est déjà content d'avoir du boulot, quel qu'il soit. Les traits de plaisanterie, voilà la récompense. Vous êtes sûr, c'est très généreux. Il ne faut pas faire des manières. Ce n'est pas comme si on avait les moyens de dépenser tout ça de toute façon. Vas-y, tu l'as bien mérité. Et puis, tu accepteras peut-être de nous aider de nouveau à l'avenir? Ah, j'aime bien. Elle a encore une quête, connasse. Rebonjour, j'adorerais prendre le temps de me voter, mais on est déjà en pleine mission. Tout va sans l'heure ces derniers temps par ici, il faut que je récupère ces pièces le plus vite possible et... Oh, je peux lui demander, oui. Laisse-moi signer, tu as besoin d'une experte... S-récupération, hein. Cette faute? On n'oserait pas te demander. Merci, tu nous tires une énorme épine du pied, et voilà. On ne peut pas continuer à demander à d'autres de... Et bien sûr que si, Soret. On accepte l'aide et on se montre reconnaissante. Alors cette fois, il faudrait que tu nous trouves des roses du désert. Si tu pleures assez rare à ta place, je commencerai de mes recherches dans les vieilles ruines du désert. Je vais te demander ça et prends bien soin de toi. Certains des ennemis là-bas sont assez redoutables. Nyeh. Moi, je finis l'épisode là. On va faire dodo et fin de l'épisode. Dans le lit de Toubi, bordel. Oui. Donc normalement full heal, mais elle a pas besoin de celui-là parce qu'elle a le programme de pod cheaté là. Alors je vais mettre oui parce que je sais pas quel type de sauvegarde elle m'effectue exactement là. Mais en tout cas, je vais vous dire merci d'avoir regardé cet épisode. Pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, tout ça. N'oubliez pas Twitch dans la description, n'oubliez pas d'acheter le jeu car c'est un excellent jeu. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est un vrai jeu et un excellent jeu. Et on va sauvegarder sur... Et voilà, des bisous. Et à la prochaine. Ciao.